Bonjour à tous, soyez bienvenus. On va chanter le premier chant pour la gloire de l'Éternel, qui est dans Donnez-lui gloire, le chant 122, vous qui sur la terre habitez. Vous pouvez vous lever. Je souhaite à tous une cordiale bienvenue et j'espère que nous pourrons ensemble louer le Seigneur. Je vous invite maintenant à la prière. Seigneur, notre Père éternel, nous te louons et te rendons gloire, l'aide et les forces que tu nous donnes chaque jour. Nous en remercions. Nous voulons te faire confiance et marcher chaque jour avec toi. Accompagne-nous dans nos luttes, dans nos choix de vie et que nous avons à prendre chaque jour. Aide-nous toujours à voir et à comprendre ton amour pour nous dans toutes les circonstances que nous rencontrerons. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Voilà, merci d'être là ce matin. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Veux-tu briser le chant 319 ? La force est en Christ. Il est écrit dans la Bible dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Veux-tu briser ? Chantons ensemble. Thank you.
rester debout et j'entends le psaume suivant, 492, Seigneur attire. Asseyez-vous. Je vous invite maintenant à ouvrir vos Bibles au quatrième chapitre de la Genèse. Où nous lirons les versets 1 à 8. Quatrième chapitre de Genèse. Versets 1 à 8. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de toute leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande.
Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et tes désirs se portent vers lui. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Sur ces paroles que nous écouterons maintenant la prédication de Jérôme Rossi. Bonjour à tous. Alors, quand on est dans l'église, souvent, il y a quelque chose qu'on a l'habitude de dire, c'est qu'on est entre frères et sœurs. On parle justement de cette fraternité. Et il peut y avoir des moments où l'entente entre frères et sœurs peut devenir plus compliquée. Et je voudrais commencer par vous raconter justement une histoire entre deux frères. Et je vais vous raconter donc cette histoire. Est-ce que vous connaissez l'histoire des frères Dassler? Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Non? Alors, c'est une histoire qui commence en 1889 et continue en 1900 pour la naissance des deux frères, donc qui s'appellent Rudolf et Adolf Dassler. C'est deux frères qui sont nés d'un père qui était cordonnier et ils ont donc appris le métier de leur père. Au début du XXe siècle, ils ont créé donc une fabrique de chaussures, la fabrique de chaussures des frères Dassler. Et donc l'entreprise commence à prospérer entre le père et les deux frères. Les deux frères développent leurs propres compétences. Adolphe, lui, il est très technicien. Il veut créer des chaussures de plus en plus performantes, avec des matériaux toujours meilleurs. Et il est excellent dans son domaine. Il est vraiment très très bon pour ça. Rudolphe, son frère, lui, il est beaucoup plus commercial. Son but, c'est de faire beaucoup d'argent, beaucoup beaucoup d'argent. Il veut que tout le monde parle de l'entreprise. C'est d'ailleurs grâce à lui qu'en 1936, aux Jeux Olympiques, les athlètes auront les chaussures de leur entreprise. Par contre, les deux frères sont très régulièrement en conflit. Ils ont des visions très différentes. Alors il va y avoir la guerre qui va se passer, mais après la guerre, les conflits sont tellement présents et tellement forts qu'ils vont finir par se séparer. Adolphe va garder l'usine familiale et Rudolphe, lui, va ouvrir une usine à chaussures aussi, en face. Adolphe, lui, va décider de renommer son entreprise d'un nom que je pense vous allez connaître, en fait, parce que son prénom, c'est Adolphe, et le diminutif, son petit nom, c'était Adi, et Dassler, ça fait Adidas. Son frère construira l'entreprise qui est une usine en face, de chaussures aussi, et il va l'appeler Puma. Alors, Adolphe est très technicien, comme je vous l'ai dit, et il va monter très très rapidement avec sa marque, au point d'être très connu. Rudolphe, lui, va mettre un peu plus de temps pour se faire connaître. Et c'est grâce à son fils, qui reprendra aussi l'entreprise, que ça va se développer et devenir aussi très connu comme marque de chaussures. On connaît très bien maintenant Adidas et Puma. C'est des chaussures qu'on voit partout maintenant. Et la concurrence, par contre, entre ces deux frères, elle était tellement forte qu'ils ont construit leur usine l'une en face de l'autre. Et d'ailleurs, on m'a confirmé que ces usines existent encore l'une en face de l'autre actuellement, dans le même endroit. Et ils vont aller tellement loin dans leur conflit que même le jour où ils seront décédés, on va les enterrer l'un en face de l'autre. Alors c'est quelque chose que je trouve qui est assez triste en fait, de voir des conflits comme ça entre frères et sœurs et de se faire la guerre et d'en arriver à ce point-là. Et je vous ai raconté cette histoire justement de deux frères qui se déchirent. Et cette histoire, elle se passe aussi dans la Bible. Il y a plusieurs endroits où les conflits entre frères et sœurs se passent. Par exemple, on a l'histoire de Joseph qui est vendu par ses frères. On a Jacob et Ésaü aussi qui étaient en fort conflit. On a aussi Jésus même qui avait des problèmes avec ses frères, qui n'étaient pas toujours d'accord avec ce qu'il faisait. Mais le truc, c'est que quand on est en conflit, qu'on est en compétition, on essaye toujours de surpasser l'autre. Et souvent, il n'y a pas vraiment de vainqueur. C'est très rare en tout cas.
Alors pour revenir à la Bible, il y a régulièrement aussi, il y a plusieurs endroits où on nous en parle, mais je voudrais revenir à l'histoire qu'on nous a lue, donc c'est l'histoire de Caïn et Abel. Ils sont frères, l'un est cultivateur et l'autre berger, et chacun décide de faire une offrande à Dieu. Caïn offre des fruits issus de la terre, et Abel offre les premiers-nés de son bétail. Mais suite à ces offrandes, on peut être interpellé parce que Dieu porte un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Et Caïn, de son côté, il n'a pas droit au même traitement. Il sent en lui qu'il y a une certaine colère qui est en train de venir, voire de la jalousie par rapport à son frère. Et à ce moment-là, on a Dieu qui vient lui parler. Dieu lui parle et il l'invite à réfléchir à sa réaction, à s'exprimer, mais les choses, elles ne vont pas évoluer positivement. Caïn se fâche davantage que contre son frère, il se jette sur lui et il le tue. C'est ce que nous avons lu. Après cela, on a de nouveau Dieu qui va intervenir dans la suite des versets. Il intervient auprès de Caïn et il y a une sanction qui tombe. Caïn va devoir s'exiler, il va être éloigné de tous. Je trouve que c'est une histoire qui est terrible. Si vous regardez ici dans Genèse, on est à Genèse 4, 4 chapitres seulement depuis le début de l'humanité, on peut dire. C'est le premier meurtre de la Bible. Et ce premier meurtre, c'est un meurtre entre frères. Alors, si je me mets un peu à réfléchir, à mettre un peu à la place de ces deux frères, j'ai moi-même un frère, mais c'est vrai qu'il y a des moments où on a eu des rivalités quand on était jeune, et je pense que c'est normal dans toutes les familles, mais jamais, jamais, ça pourrait arriver à être des conflits qui prennent de l'ampleur à ce point-là. D'ailleurs, mon frère, pour moi, il est vraiment mon meilleur ami, donc c'est encore autre chose aussi. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux frères, Abel et Caïn? Comment est-ce que les choses ont-elles pu en arriver là? Il y a plusieurs choses qui peuvent être interpellantes dans ce récit, qui peuvent déranger ou qui semblent injustes. La première chose, par exemple, quand on lit rapidement comme ça, c'est qu'on voit le regard favorable de Dieu pour Abel. Pourquoi est-ce que Dieu a un tel favoritisme? On a aussi la présence de Dieu dans le récit. Dieu est présent, et quand il intervient, c'est seulement pour parler à Caïn, en fait. Mais il n'intervient pas pour sauver Abel. Puis, quand les choses sont finies, on a l'exil de Caïn. Alors qu'on pourrait se dire, mais est-ce que ce n'est pas Dieu qui aurait provoqué ça? En tout cas, on peut se poser la question. Ce sont des questions que je me suis souvent posées quand j'étais jeune, en lisant ces textes. Et c'est important de pouvoir relire plus attentivement ce récit. C'est un point vraiment très important. D'ailleurs, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Si vous avez des difficultés avec un texte, il ne faut pas hésiter à le lire, à le relire, pour essayer de trouver des réponses, prendre le temps de l'étudier. Alors, pour l'histoire qu'on a lue en Genèse 4, quel est l'enseignement qu'on peut retirer aujourd'hui? Que nous dit ce texte? Et comment comprendre cette histoire? Alors, on va regarder d'un petit peu plus près, justement. Et il y a des choses qu'on peut mettre en valeur, que nous allons essayer de comprendre, pour essayer de comprendre, en fait, ce qui s'est passé ici. Il y a plusieurs étapes, d'abord. En premier lieu, on va parler des deux frères, de leur nom. Ensuite, des offrandes et de la réaction de Dieu. Du regard de Dieu aussi sur ces offrandes. La réaction de Caïn et de Dieu qui lui parle. Et puis de la colère de Caïn. Alors, on a plusieurs informations qui nous sont données sur Caïn et Abel. Alors, je vais vous proposer un petit jeu. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu des 7 erreurs. Quand vous voyez deux images différentes et vous devez trouver les différences. Alors, j'en ai trouvé quelques-unes. Alors, il n'y a pas tout, mais j'ai les principales. Tout commence par leur nom d'abord. Déjà, on nous montre deux choses différentes. Dans le texte biblique, on a souvent dans le nom, c'est quelque chose qui est révélateur sur la personne, sur leur caractère, sur la manière dont ils étaient traités ou sur la façon dont ils vivaient. C'est d'ailleurs pour cela qu'à certains moments dans la Bible, on a des noms qui sont très révélateurs de la personne ou qui changent aussi, pour exprimer un changement de vie ou une autre disposition en tout cas. On a ici Caïn, le fils aîné. On dit que, déjà par rapport à son nom, on a quelque chose qui est très révélateur en fait, parce que son nom veut dire « j'ai acquis ou j'ai créé ».
Et ce terme, il est régulièrement repris comme un signe de défiance, en fait, de Ève par rapport à Adam, qui dit qu'elle s'approprie, en fait, le fait d'avoir fait Caïn toute seule. Et le fait aussi de dire « j'ai acquis, j'ai créé », ça lui montre aussi que ce qui est acquis, tout ce qui va revenir, en fait, pour Caïn, dans son nom, ce sera pour lui, c'est quelque chose qui lui est acquis. C'est lui qui va acquérir la terre. Il a tous les égards. Il est directement favorisé, en fait, en tant que fils aîné. C'était la tradition à ce moment-là. Il est destiné à être celui qui va être le chef après Adam. C'est sa destinée. Ouais. Il est le futur père de la nation. À sa suite, on a Abel. Abel, qui, lui, son nom signifie buée ou souffle. On comprend par ce terme qu'Abel était peut-être moins important, que c'était juste quelqu'un qui était de passage comme ça. Il n'avait pas d'importance, il était peut-être insignifiant ou non considéré. Et d'ailleurs, si vous lisez ce texte, il est tellement insignifiant dans le texte qu'on pourrait se poser la question de qu'est-ce qui fait vraiment Abel, parce qu'il n'y a pas un moment où on lit une parole de lui, il ne dit pas un seul mot. Abel est là, il se passe quelques étapes, mais on ne sait rien sur lui spécialement. Il ne dit pas un mot dans la Bible. Il ne fait juste que passer. Son frère, lui, cependant, est quelqu'un de beaucoup plus actif. Il dirige, il prend les choses en main. Il est celui qui agit, qui a l'initiative aussi. On peut voir ici que Abel est celui qui n'a rien par rapport à celui qui a tout. Après que les frères soient nommés, on voit aussi leur activité, berger et agriculteur. Puis on a la suite du récit avec l'offrande. Caïn offre des fruits de la terre et Abel des premiers-nés de son bétail. De là, Dieu est favorable à une offrande. Pourquoi est-ce qu'il y a cette préférence? Ce texte m'a souvent embarrassé, c'est vrai. Chaque fois que j'ai lu ce récit, en fait, je me suis focalisé sur ce que Dieu fait. Mais en fait, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est de voir en premier, pas spécialement l'action de Dieu, mais ce que font Caïn et Abel. Parce que c'est vrai que l'action de départ, en fait, elle est produite justement par les frères. Alors, on a ici, en premier lieu, on a ici donc le récit d'Abel et Caïn qui offrent chacun leur offrande. Et quelque chose qui est important à voir, c'est Caïn qui offre les fruits de la terre. Et à côté de ça, on a Abel qui offre les premiers-nés de son bétail. Et on voit déjà deux appartenances. On a son bétail et les fruits de la terre. On a deux appartenances différentes, comme si il y en a un qui offrait quelque chose qui vient de lui-même et l'autre qui offre quelque chose à la limite qui ne serait pas à lui. C'est déjà une nuance qu'on peut voir. Mais il y a une autre chose qui est intéressante à voir, c'est que ces deux offrandes, on nous renseigne aussi deux choses différentes, c'est que Caïn offre des fruits, mais il les offre après quelque temps, j'ai dans ma version. Il y a plusieurs versions différentes qui disent aussi à la fin de l'année ou à la fin de la saison, selon les Bibles que vous avez. On voit que Caïn attend la fin de la saison pour s'acquitter d'un devoir envers Dieu, en fait, d'offrir, de faire un sacrifice. Face à Abel, lui, qui agit un petit peu différemment, parce qu'on voit qu'il offre les premiers-nés de son bétail. Comme s'il les avait mis aussi à part directement et que c'était sa priorité à lui. Chacun a une priorité différente. Ce qu'on peut voir, en tout cas, c'est que par les termes qui sont employés, on comprend que l'offrande d'Abel est une offrande où Abel s'implique en offrant de son bétail, en offrant dès le départ quelque chose aussi qu'il avait mis de côté, qu'il avait préparé. On ressent dans le texte, quand on le lit aussi, que c'est quelque chose de beaucoup, où il s'implique davantage. Il y a donc ici une vraie implication. Et là, nous voyons déjà qu'il y a une différence entre les deux. Ce n'est pas une histoire de fruits ou d'animaux, où il y a une préférence pour l'un ou pour l'autre, mais on voit plus quelque chose où c'est un don personnel. Il n'y a pas une offrande qui est meilleure que l'autre,
mais c'est la disposition du cœur qui est appréciée. La disposition du cœur, justement, c'est quelque chose qui est très importante pour Dieu dans tout ce qu'on fait, et c'est un petit peu ça qu'on peut voir ici dans les deux offrandes. On peut souligner donc la réaction de Dieu. Il a un regard favorable envers Abel. Abel qui fait un vrai don envers Dieu. Et il y a une chose qui est importante ici aussi. Et c'est dès le début de la Genèse, comme dans toute la Bible en fait, c'est ce que Jésus faisait et c'est ce que je vous ai dit en fait, que Dieu se tourne vers celui qui est le moins important. On voit ça. Je vous ai dit au départ, on a Abel, celui qui a acquis. Abel qui est bué et Caïn qui est celui qui a acquis. Et Dieu se tourne justement vers celui qui est insignifiant, cette buée, celui qui est si petit, celui qui n'est rien. Et de celui qui n'est rien, en fait, il vient lui dire « Tu es plus important », il vient le relever. C'est comme s'il venait le mettre sur un même pied d'égalité. Abel, l'insignifiant, est à les égards de Dieu. Dieu ici reconnaît le geste d'Abel. Il se tourne vers celui qui est le plus faible. Pour Dieu, c'est le plus important, c'est de mettre justement à l'honneur cette personne. Et c'est à ce moment-là aussi Abel qui a besoin de reconnaissance et pas Caïn. Caïn avait, au contraire de son frère, toutes les attentions. Abel ici a été mis sur le même pied d'égalité par Dieu. À la suite de ces offrandes, on voit que Caïn est contrarié. En tant que fils aîné, il s'attendait justement probablement à pouvoir avoir une attention particulière de Dieu. Mais il n'en reçoit pas. Caïn peut-être attendait un dû, et cette attente a commencé à le contrarier. C'est à ce moment que Dieu veut lui parler. Dieu sait ce qui se passe et il l'invite à s'exprimer. Le verset 6 nous dit « Pourquoi es-tu fâché ? Pourquoi es-tu renfrogné ?» On a d'autres versions qui traduisent « Pourquoi es-tu irrité ? Ou pourquoi ton visage est-il abattu ?» Dieu invite Caïn à discuter. Caïn a le droit de s'exprimer. Caïn a le droit de dire qu'il n'est pas d'accord. Dieu, en fait, est en train de lui ouvrir grand les portes en lui disant « Vas-y, dis-moi. » Et si Caïn, à ce moment-là, lui avait dit ce qu'il pensait, un dialogue aurait pu être ouvert. Mais Caïn préfère ruminer les choses, et les choses s'enveniment d'ailleurs dans son cœur. Caïn a eu un espace de dialogue possible, mais Dieu, face à ce silence, il lui propose quand même, il lui ouvre quand même une porte. Il lui donne une solution pour sortir de ce schéma de colère. Au verset 7, il lui dit « Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas la tête, mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte, et son désir se porte vers toi, à toi de le dominer. » Il y a une notion qui est importante ici à pouvoir comprendre aussi, avec le péché. C'est le mot qui est utilisé pour « le péché est tapis à ta porte », c'est « shataha ». Et il a un double sens ce mot. On peut le traduire par « péché », mais le deuxième sens qu'il a ce mot, c'est « sacrifice ». Donc on peut dire deux choses qui sont différentes par rapport à, et qui peuvent enrichir justement ce que Dieu est en train de dire à Caïn. Il est en train de lui dire « Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte » ou alors « Mais si tu n'agis pas bien, le sacrifice est encore possible ». Dieu ici lui dit « Fais attention car tu vas mal agir et si tu continues à regarder, à garder en toi tout ce qu'il y a, à ruminer tout ça, tu vas faire monter en toi la colère. » Mais il dit également « Tu peux encore faire un sacrifice, tu peux encore faire un sacrifice avec ton cœur et je suis là pour le recevoir. » Malheureusement, la suite on la connaît. Abel va être tué par son frère. Et là, qu'est-ce qui se passe? Dieu revient de nouveau vers Caïn et il lui laisse encore une nouvelle chance de s'exprimer. Pour Abel, à ce moment-là, les choses, c'est trop tard. Abel est mort. Mais il y a encore quelque chose peut-être à faire pour Caïn. Et à cette nouvelle chance, Caïn ne va pas montrer de remords. Caïn a tué son frère et Dieu va devoir le forcer à prendre conscience de ses actes. Et la sanction, elle va être dure pour Caïn.
parce que la sanction, ça va être l'errance. Dieu le force à quitter sa famille, à quitter ses terres, à quitter toutes ses attaches. Tout ce qu'il pensait qui devrait être à lui, tout ce qu'il pensait qui devrait lui revenir, il va le perdre. Caïn était attaché justement à la terre et moins à Dieu. Attaché au bien matériel peut-être. Et face à cet exil, il n'exprime pas de nouveau des remords quand Dieu lui dit ça, mais de la peur. Peut-être qu'il va être à la merci du premier venu, et c'est ce qu'il exprime d'ailleurs. Mais là encore, Dieu reste à son écoute. Dieu lui assure qu'il va le protéger. Au départ, on a Caïn qui avait tout, mais Caïn est tombé de haut. Il se retrouve sans rien. Caïn était à la première place, au point qu'il s'attendait même à avoir les faveurs de Dieu comme un dû. Il y a plusieurs leçons qu'on pourrait tirer de ce qui est dit ici. En tout cas, ces plusieurs leçons, il devrait les avoir tirées, lui. Ces leçons, elles avaient pour objectif de le faire grandir, de le faire évoluer vers un mieux. Malheureusement, à plusieurs reprises, Caïn a fait des mauvais choix, et tous ces mauvais choix l'ont conduit plus bas. Il était le futur maître des lieux, il avait la terre, et de ce point de départ, Caïn a tout perdu. Plus de terre donc, plus de possibilités non plus de cultiver le sol, plus de famille, plus de frères. Il s'est fait expulser de l'endroit où il vivait, il se retrouvait démuni et seul. Mais il y a quand même une chose importante qui est restée. Malgré tous ses mauvais choix, Dieu lui assure sa protection. Dieu est resté, si comme tous les biens qu'il possédait l'empêchaient de voir la seule chose qui était importante, Dieu. Tout au long du récit, Dieu ne fait rien de mal envers Caïn, en fait. Il l'interpelle. Il ne fait pas le travail de réflexion non plus à sa place, mais il l'invite à être attentif. Caïn a été libre tout le temps et il a fait ses choix, ce qui finalement le conduira à une vie d'errance. De ces quelques versets, dont je n'ai pris qu'une partie, il y a plein de choses qu'on peut retenir. Comme on l'a dit au tout début, comme je vous l'ai dit, ma première phrase pour commencer, nous sommes tous frères en Christ. Et par moments, nous aurons peut-être envie d'entrer en concurrence les uns envers les autres, comme les frères Dassler, pour être les meilleurs. Les frères Dassler ont eu une grosse opportunité, celle de devenir la marque de chaussures la plus importante du monde. Et la guerre qu'ils se sont fait les a divisés. Et il y a une autre marque de chaussures à la même époque qui est apparue. Et c'est la marque de chaussures qui a maintenant la première place, c'est Nike. Et qui finalement est la première marque. Dans la Bible, l'attention de Caïn, au lieu d'être sur Dieu et sur son propre caractère, s'est portée vers son frère. Et par moments, dans nos vies et dans l'Église, on peut aussi regarder plutôt ce que l'autre fait, plutôt que de voir ce que Dieu attend de nous. On regarde qui offre peut-être la plus belle offrande, qui fait la plus belle prière, qui fait les plus belles choses, qui a les paroles les plus éloquentes aussi, qui est à la première place. Mais il faut savoir que ce qui compte pour Dieu, c'est notre cœur. Que nous soyons si insignifiants, juste un petit souffle comme Abel, ou non, Dieu veut nous rétablir à la place qui nous convient. Ce qu'il faut, c'est pouvoir donner à Dieu de tout son cœur, sans se soucier des autres, et Dieu aura un regard favorable sur chacun d'entre nous. Et si par hasard, en revanche, nous avons accumulé les erreurs, comme Caïn, que notre vie personnelle ressemble à une errance, il faut aussi savoir que Dieu reste également à nos côtés. Il ne nous abandonne pas. Au contraire, il se met en protecteur et il nous accompagne. Et je voudrais lire juste un verset avec vous encore, qui se trouve dans Jérémie 4, verset 1, qui dit « Si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. »
Dieu restera toujours à vos côtés, quoi qu'il se passe, où que vous soyez. Dieu est là, il ne vous abandonne pas, il ne vous abandonnera jamais. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lèvons-nous pour chanter le chant 444, comme un fleuve immense. Bye.
Seigneur, je te remercie pour déjà ce moment que nous sommes en train de vivre ici, ce matin dans ton église, pour cette invitation que tu nous fais parce que nous avons la possibilité d'être ici. Je te remercie aussi pour ton message parce que à certains moments, c'est vrai qu'on peut être interpellé et puis en étudiant davantage, on peut voir que tu es là pour vouloir notre bien. C'est ce que tu dis dans toute la Bible et des fois, on peut se poser la question, mais on peut le voir aussi que tu es là pour être là pour nous. Tu es là pour nous accompagner, pour nous aider à faire des choix. Et même quand on fait les mauvais choix, tu es là pour nous aider à pouvoir nous en sortir. Et je te remercie pour ça, Seigneur. Je voulais te demander aussi d'être avec chacune des personnes qui sont dans cette salle, mais chacun de tes enfants, Seigneur, aujourd'hui, qu'ils puissent sentir cette journée de sabbat, la vivre pleinement, pouvoir sentir ce moment de rencontre qu'ils peuvent faire avec toi. Et je te remercie aussi pour cette chance. Accompagne chacune des personnes, chaque enfant, chaque plus âgé, chaque adulte, chaque parent. Accompagne-les dans leur vie, dans leur quotidien et aide-les, comme on le disait tout à l'heure, à pouvoir faire les choix que tu souhaites pour nous. C'est ainsi que je voulais te prier au nom de ton Fils Jésus. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec nous. Psaume 252. Sois fort et courageux, n'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer. Le Seigneur ton Dieu marche lui-même avec toi, il ne te délaisse pas, il ne t'abandonnera pas. Amen. Je vous souhaite un bon sabbat à chacun.